Coucou tout le monde, donc on est parti pour une session entre amis à Ultra Street Fighter 4. Donc comme précédemment, je suis en compagnie de l'un de mes amis qui est Gambard. Et là, on est prêt pour se castagner sur Ultra Street Fighter 4 cette fois. T'es motivé? Allez, c'est parti. Allez, toi t'as la musique de Chun-Li, moi j'ai la musique de Ken, je parie ça. Ah ouais? Ouais. C'est ouais. Quoi ce costume? Et oui, t'as pris le costume nature. C'est le costume nature que t'as pris. On a eu la même idée. Comment tu fais les costumes, déjà? Bah, en fait, c'est R1 et R2, mais moi, à la base, c'est sur L1 et L2, mais j'ai juste inversé, en fait, pour pas être trop embêté, tu vois. C'est sûr. Ouais, vas-y. Non, mais c'est parce que t'as pas inversé, là, t'es les provocations. Mais toi, ouais, normalement, c'est sur L1 et sur L2, vu que... Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Merde, là j'ai merdé. Je suis une coquine, hein, t'as vu. Je me suis faufilé derrière toi. Ouais, merci. Allez, on y va. Dominable. T'as vu moi. J'annonce direct la couleur, tu vois. Ouais. T'avais pas encore vu. À part moi, ils ont tiré pique les personnages. Bien joué. Merde, la voix c'est pas ce passe. Alors là, c'était une occasion en or, hein. Ouais. J'aime bien son ultra joyeux. On dirait qu'elle va l'embrasser. Moi je retiens jamais les trucs des gars. Bah Gouken en fait pour son ultra c'est de rotation coup de poing. Ouais. C'est un personnage du ado donc tu sais c'est pas compliqué. Hein. Ouais, que c'est. Peut tester des trucs, quoi. Ouais. Ouais. Ah merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, tu la charges. Non!
non, la chatte. Tu m'as trop approché. Tu m'as trop approché. Je suis dangereuse, hein. Il y a des combats rapprochés, hein. En fait, c'est à la limite qu'elle peut traverser l'écran avec son coup de poing, alors que dans le strike, elle a moins d'allonge. J'avais été surprise avec son coup de poing. Bah, tu as pris. T'aimes bien les tenues nature. Ouais. T'es un furry ou quoi? Ça y est. Attends. Mais me poser des questions, moi. T'as vu ça? Ouais, bah ouais. Furé. Ah, c'est quoi cette espèce de coup de poing? Alors. C'est de marquer. Ouais. Oh! Ah! Pas de sauter! T'allais pas sauter! T'allais pas! Ah, ça marche pas la spéciale. Parce que ça peut être grand, hein. Hein? C'est rotation coup de poing aussi, de rotation coup de poing. C'est avec, ouais, c'est avec. Avec le grand coup de pied. Ouais, le gros coup de pied, mais après, en fait, ça dépend. Parce que si t'as pas changé la configuration de la manette, c'est sur L1 et L2. Et si t'as... Moi, c'est parce que je mets sur R1 et R2 pour pas être emmerdé, parce que du côté gauche, c'est un petit peu chiant, tu vois. Voyant, en fait. Bah oui, j'ai une voyante rose. Ça ne va pas avec des roses. Mm-hmm. J'ai pris cette tenue, ça fait un petit peu Victoria, Renaissance italienne, un petit peu, ça fait... Il n'y a pas un poil qui dépasse de ses cheveux, ça me fait déjà. C'est surréaliste la coiffure de Gaïn quand même. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est une double. Pourquoi t'as sauté? Parce que j'essaie de faire un super, puis mon gars il va sauter. Donne la chance. Ah, ça fait je crois un peu. Ah. Mmh. T'avais plus assez de santé. Rose wins. Rose wins. Ouais, non. Et là, mon gros, tu vas te faire fouetter. Tu vas avoir les fesses rouges. Ouais. Dire que c'est un travaux. Ouais, c'est un transsexuel. Enfin, un transsexuel. Ouais. Bah, je vois plus maintenant. Quoique dans le 5, quand elle fait sa wind pose, tu vois qu'il y a des traits masculins au niveau du visage qui sont restés quand tu regardes là. Tiens, entre mes jambes. Tiens! Tu me connais pas assez, hein, tu vois? Tiens, je vais battre.
which of these two men will walk away? All bets are off. Anything can happen now. Merde, je vais arriver. Ah, tiens, c'est pour te réveiller. Allez, allez. Tu fais fouetter dans le dos. Hein? Non, tu m'as même pas fait de câlin. Bah non, 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 je laisse pas faire, Poison, t'as vu? Hein? Ouais. Allez, on y va. Ouais. Elle pourrait faire du basket, Elinor, franchement, quand tu la regardes. Elle est grande, hein. Merde. Ah bien, tu gagnes un round. Enfin un round. Donc quoi, faut pas se fier aux apparences. Bah alors. Bon, ça va, t'as pas eu le parfait. Mais ça va aller, gros petit personnage. Avec le bras d'honneur. Ouais, quand tu m'as fait ton bras d'honneur, ça m'a... déstabilisé. Vers les jambes. Elena wins. Elena. C'est la petite sœur dans l'histoire, c'est la petite sœur de Camille. Ah mais elle est contrôlée par... Bison, ouais, pareil. J'aime bien ce costume-là, par contre. Le masque, tu connais le groupe Slipknot, et en fait, le masque, ça me fait penser au groupe... à celui du guitariste Mike Thompson. Après, c'est aussi à l'homme au masque de fer avec DiCaprio, je sais pas si tu te souviens. Oui, là. Ouais. Le truc avance doucement. Bah allez, t'approche. Non, ça marche pas. Non.
Bah c'est ça, je suis pas consentante, non mais... Balance ton plan aussi. Tiens. Aïe. T'es castré. Oula. Non mais... Si, j'ai pris le premier combat. Mais avec cette Nyanguin, ça fait Annabelle. Normalement, tu l'as en blanc et rouge, ça fait Annabelle. Ouais, comme ça, ouais. Bah bon, ça passe pas sur Rondor, ce truc-là. Oh merde, il passe pas le coup. C'est terrible. Le goût et le coup que je voulais faire, il passait pas sans dedans. Bah, c'est la première fois que je vois ça. En fait, ouais, bon, je vais éviter ce coup-là, tant pis. Moi, je le sais. Ouais, bah il faut appuyer sur carré croix avant et ou arrière pour faire des chocs. C'est comme dans Street Fighter 5, c'est la même chose. Ouais. Il va spammer. Ouais. Yes, j'ai gagné. Un combat. Regarde. Un combat. Merci Honda. Merci Honda. Ah mais j'ai pas compris le truc, à un moment donné, au premier coup je voulais faire un coup avec Ibuki et à chaque fois que tu faisais ton truc ça passait pas, pourtant je me suis dit bon, j'ai insisté par curiosité, ça marchait pas. En fait tu vois elle fait un coup, elle court et puis elle attrape l'adversaire et puis elle lui donne des un genre de coup de tête et puis après elle le balance, mais avec Honda tu peux pas le faire. Ouais, je sais pas, j'ai essayé plusieurs fois, y avait pas moyen. Après c'est à chaque fois que tu faisais l'écrase-tête là, et bah ça passait pas. Peut-être que ton coup en fait il est prioritaire par rapport à celui d'Ibuki. Ah mais Honda dans le chat. Ouais. Ouais bon bah voilà. On va te laisser avec la dernière victoire. Hein, voilà. C'est voilà. Mieux hein. Ce sera un peu con de tout casser hein. Ouais c'est vrai. Ouais donc... voilà il est content, il y a son moment de gloire. On va sortir les confettis. Tout la totale hein. Voilà donc si ben vous avez si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez laisser un pouce bleu en dessous de cette dernière, ce sera un magnifique signe de soutien de votre part et ça me fera vraiment très très plaisir. Et aussi à Gambar qui a quand même gagné le dernier combat, yes. Il a quand même bien forcé, il y est arrivé, donc il faut fêter ça en laissant le petit pouce bleu, je crois qu'il sera, il va le confirmer lui-même. Donc si vous avez des suggestions, des remarques ou des jeux rétro à me conseiller pour la suite de mes vidéos à venir dans le futur, n'hésitez surtout pas à m'en faire part via un commentaire en dessous de notre let's play entre amis à Ultra Street Fighter 4. Je serai ravie de vous lire, de vous répondre, voire de prendre vos conseils en considération et de prendre note des jeux rétro que vous me conseillez pour la suite de mes vidéos à venir. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous avez visualisé notre vidéo entre amis et on vous dit à bientôt.